evening, ladies. You're watching the 8 p.m. Balingua Primetime Newscast on your TV, Spectrum Television. Top on our news stories tonight, June 10, 2024. Couple of hours to the open of the June parliamentary session scheduled for tomorrow, June 11, 2024, in Yaounde. All is set for the smooth running of the session. The Secretary General of the National Assembly descends for an inspection visit this morning. Also in this news, sports, football, FIFA 2026 World Cup qualifiers. The Indomitable Lions of Cameroon will be logging hunt with Angola tomorrow in Luanda, counting for the day four of these qualifiers. Team Cameroon touched down Luanda on Sunday with preparations for tomorrow's encounter on the way. The story is in full and much more will be brought to you right ahead. Thanks for joining in. Ladies and gentlemen, you're watching the 8 p.m. Balingua Primetime Newscast on your TV, Spectrum Television. And we'll jump right into the full stories of this news edition. And it is in the French language. And it's with you, Oriane Donquin. Bonsoir. Bonsoir, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. La session parlementaire du mois de juin s'ouvre demain 11 juin 2024. À quelques heures, tout est fin prêt à l'hémicycle pour assurer un bon déroulement de la session. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale a effectué une visite d'inspection ce jour. Dans sa suite, Olivier Bouzique, qui nous fait le compte rendu. Dans moins de 24 heures, la deuxième session parlementaire de l'année législative s'ouvrira dans les deux chambres. À quelques heures de la plénière, tout est fin prêt pour accueillir les parlementaires à l'Assemblée nationale. C'est du moins le constat fait par le secrétaire général adjoint numéro 2 de l'institution au terme de sa visite d'inspection à l'hémicycle. Nous avons effectué la visite, cette dernière visite d'ailleurs, pour s'assurer que tout est prêt. Je suis parti, nous sommes partis de salle à salle jusqu'à l'hémicycle. L'hémicycle est prêt, elle est prête, parce que ce que nous avons vu, tout est matérialisé à l'hémicycle. Les chevaliers nominatifs sont là pour les députés comme les invités. Donc, tout est prêt pour demain. Et donc, chaque compartiment a été préparé dans le moindre détail pour assurer un bon déroulement de cette session aux multiples enjeux. Outre l'agenda parlementaire traditionnellement dense en juin, les élus de la nation sont également attendus sur les questions majeures qui meublent fortement l'actualité. Entre autres, la lutte contre la vie chère, la mise en œuvre de la couverture santé universelle qui traîne le pas, les défis sécuritaires, le sous-développement local, la lutte contre la gabégie, la corruption, les détournements au sein du Parlement et bien entendu, le conflit MINCEP-FECAFOOT qui est loin d'avoir livré tous ces rebondissements. La solution pourra certainement sortir finalement du Parlement par l'adoption d'une loi qui clarifie les missions, les obligations, les devoirs, bref, la nature de la relation entre le ministère des Sports et les fédérations du point de vue général. La réunion de coordination administrative et de sécurité du premier semestre de l'année 2024 de la région du Centre a récemment eu lieu à Yaoundé. Le bilan des six premiers mois de l'année est plutôt satisfaisant pour les responsables qui notent que l'ordre doit être mis dans le secteur des mototaxis. Inès Pangan. L'assainissement du secteur des mototaxis demeure une préoccupation dans la région du Centre. Des cas de banditisme et d'incivisme par des individus conducteurs de ces engins à deux roues sont signalés et observés. L'identification et la canalisation des mototaximens sont des stratégies que veulent utiliser les responsables de la dite région. Nous voulons d'abord commencer avec les identifications de ces mototaximens, de les canaliser et pouvoir les mettre en zone. Parce que ils vont braquer ici et ils se retrouvent à Yaoundé 7, comme la ville, c'est une grande ville. L'évaluation du premier semestre de l'année 2024 est plutôt satisfaisante dans la région du Centre. Le bilan des faits marquants de cette période est fait au cours de la réunion de coordination administrative et de sécurité à Yaoundé, dans le département du Mfundi. Nous avons demandé de renforcer toujours la vigilance, de rechercher
les informations prévisionnelles, de partager les informations à temps et à contre-temps, et de tout faire sur le niveau de contrôle des accès dans nos grandes métropoles. Une rencontre qui se fait en présence des préfets des 10 départements que compte la région du centre. The National Institute of Statistics has reported a significant rise in the cost of living in Cameroon, with inflation rate soaring to 6.3% over the past years. What are the reasons for this increase and the most affected areas? Onila Donet attempts an answer to these questions in this report. Cameroon's economy is facing a formidable challenge as inflation rates reach a concerning 6.3% by April 2024. The National Institute of Statistics, the INS, has highlighted a worrying trend, with food prices soaring by 8.7% and transport costs escalating by 15.7%, exerting substantial pressure on the cost of living for Cameroonians. The INS report reveals that the general price level has increased by 0.6% month-on-month, driven primarily by hikes in the price of bread, cereal, vegetable, as well as fish and seafood. The transport sector has not been spared, with fuel price adjustments leading to increased costs for road passenger transport. Despite a peak inflation rate of 8.5% in March 2023, there was a slight decline to 5.2% in January 2024. However, the government's decision to raise fuel prices for the second consecutive year has had a direct impact on transport fare, with significant increase in both urban and peri-urban transport prices. The food market has also been hit hard, with the price of tomatoes, quintupling, and other products seeing reduced quantities for the same price. This trend has been consistent over the past 2 years, significantly affecting household budgets. As the year progresses, the economic outlook for Cameroon remains uncertain. The government's finance law of December 2023 projected an inflation rate of 4%, slightly above the CIMAC standard of 3%. The International Monetary Fund has forecasted a consumer price level of 5.5% for Cameroon in 2024, a slight decrease from the 5.9% predicted in November 2023. On the other hand, the INS considers the possibility of an inflation rate reaching 7% by the end of the year, influenced by 15% readjustment in fuel prices and ongoing geopolitical uncertainties, particularly in the Middle East. In response to the inflationary pressures, the Bank of Central African State has implemented measures such as the issuance of BEAC bonds to reduce excess liquidity in commercial banks. BEAC has also maintained its key interest rate steady, with a tender call interest rate at 5%, the marginal lending facility rate at 6.75%, and the deposit facility rate at 0%. Cameroon's economic stability is being tested as it navigates through these inflationary times. The effectiveness of the BEAC policies and the government's ability to align with international projections will be crucial in ensuring the financial well-being of its citizens and the resilience of the national economy. As the nation contends with both external and internal economic forces, the coming months will be telling for the future of Cameroon's fiscal landscape. La célébration de la Journée internationale de l'environnement joue les prolongations dans la ville de Douala. Le week-end dernier, des employés d'une structure spécialisée dans la protection de l'environnement sont descendus sur le terrain pour ramasser des bouteilles de plastique. Objectif, sensibiliser le public sur les dangers de la pollution plastique et sur les méthodes appropriées d'élimination des déchets plastiques. Makeda Lidignotium et Jules Epo pour les précisions. En cette matinée du 8 juin 2024, ces employés d'une entreprise spécialisée dans le recyclage des déchets plastiques à Douala s'activent sur le terrain. Soutenus par le personnel d'une banque de la place qui les accompagne dans cette activité, ceux-ci procèdent au ramassage des bouteilles plastiques laissées dans la nature par les usagers, comme c'est le cas ici au carrefour Agip à Douala. Les activités d'aujourd'hui, notamment, c'est bien sûr continuer la collecte. Nous avons entrepris avec le partenaire. Nous avons entrepris une journée dans laquelle il y aura de la collecte des déchets ménagers et il y aura également l'acheminement de ces déchets au niveau, n'est-ce pas, de les points, parce qu'il y a des points de stockage que nous avons qui sont dédiés
Et enfin, bien sûr, plus tard, il y aura l'acheminement vers des points de traitement. Si nous pensons partager une vision, ce serait de dire à nos compatriotes et à l'individu lambda, tout simplement, comme vous disiez tout à l'heure, que l'environnement est quelque chose de précieux. Et le bon geste pour protéger l'environnement est... D'ouvrir la bouteille, de la vider, de la compacter et ensuite, bien sûr, de la stocker dans un lieu sûr approprié. Donc nous conseillons de pratiquer ce genre de geste, de pratiquer également le tri sélectif, notamment de pouvoir à chaque fois séparer les déchets qui ne sont pas organiques, donc qui ne sont pas périssables, des déchets qui sont organiques, qui sont non organiques autant pour moi. Par exemple, le plastique est non organique, les denrées organiques, c'est par exemple le reste de nourriture. Donc de séparer ce genre de déchets et donc d'avoir à la fin, n'est-ce pas, quelque chose de beaucoup plus clean, de beaucoup plus propre. Cette activité a eu lieu le 8 juin 2024 dans le sillage de la célébration de la Journée internationale de l'environnement. Parlons éducation à présent, examen officiel 2024. Les épreuves écrites du probatoire ont débuté ce lundi matin au Cameroun. À Douala, c'est sous une forte pluie que les candidats ont regagné leur centre d'examen. Ambiance de ce premier jour d'examen au sous-centre du lycée d'Akwa avec nos reporters Makeda Lidinyotchom et Julie Pont. La forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Douala ce lundi matin 10 juin 2024 n'a pas empêché les candidats à l'examen du probatoire d'enseignement général de regagner leurs différents centres d'examen. Le sous-centre du lycée d'Akwa, par exemple, accueille les candidats de la série littéraire A4, C et D. Oui, nous sommes au sous-centre du lycée d'Akwa ce matin pour le probatoire ESG. Ce matin, nous avons commencé dès 8h. Avec la littérature pour les trois séries que nous abritons ici, c'est-à-dire la série A4, la série C et la série D. Ils enchaînent avec la langue française et la troisième épreuve pour chaque série, pour la série A4, ce sont les sciences, pour la série C et D, c'est l'histoire. Et les trois séries achèvent à 16h30 pour cette première journée. Pas d'absent enregistré ce jour dans ce sous-centre, selon les responsables. Afin de permettre aux candidats de composer dans de meilleures conditions, un accent est mis sur la sécurité. Les sécurités sont toujours prises d'abord par le centre lui-même. Ensuite, nous avons l'assistance des forces de sécurité à chaque fois que nous avons un examen dans notre sous-centre. Débuté ce 10 juin, les épreuves écrites du probatoire s'achèvent le 14 juin 2024. À présent, disons déjà que Mgr Joseph Beufeu Ateba, évêque du diocèse de Kribi et président du Conseil national de la communication, quittait ce monde. Une messe de requiem pour sa mémoire a été organisée hier dimanche par ses amis à Yaoundé. Inès Pangan. 10 ans après son départ, l'émotion reste toujours aussi vive. On se rappelle que c'est un 4 juin 2014 que Mgr Joseph Beufeu Ateba décède en Afrique du Sud des suites de maladies. Le chrétien, homme d'église, responsable du diocèse de Kribi, laisse un lourd héritage de foi et d'humilité. Un patrimoine encore partagé aujourd'hui par ses proches qui ont créé une amicale baptisée « Les amis de Mgr Joseph Beufeu Ateba ». Les qualités de l'homme, du guide spirituel, de l'écrivain et du journaliste y sont célébrées. Un homme à prendre pour modèle quand on parle du vivre ensemble. Mgr Beufeu, quand il décidait de devenir anglophone, il était totalement anglophone. Quand il décidait d'être francophone, d'avoir la culture locale de chez lui, c'était un orfèvre dans ce domaine-là. Il a vécu 7 ans au Ghana et il a la maîtrise de la culture Ashanti du Ghana. Mgr Joseph Beufeu Ateba a été président
du Conseil national de la communication, auteur d'une pièce de théâtre intitulée « Dieu à la barre », de deux romans « Yobo, la spirale de l'épreuve » et « Le guépier ». Away from our local news, we now take on our international stories, and it is with our Voice of America partners. After 12 years as a correspondent for the Spanish newspaper El Mundo in Russia, Javier Colas is back in Madrid, but not for pleasure. As of early June, Javier is the latest foreign correspondent to be expelled by the Russian government. Foreign journalists have been under sanctions. We have had 3-month visas instead of 1-year visas, as we had before. I was on a blacklist of people whose visa was not renewed and who could not remain in the Russian Federation any longer. Moscow claims these are not expulsions. In the case of Javier Colas, as they did with others, Russian officials blamed the visa denials on journalists who, they say, made errors on their applications. But in a Russia at war, there is no place for free journalism, only for the propaganda of what the Kremlin calls its special military operation in Ukraine. Emmanuel Grinspan of the Paris-based Le Monde says he was expelled in 2019 due to his critical articles about Putin's Russia in the run-up to the invasion. Since then, he monitors the complicated situation of colleagues inside the country. From what I understand, it's impossible not to do free reporting for a Russian journalist. You just get arrested and sent to jail. For many foreign journalists, the pressure is greater due to Russia's foreign agents law. Analysts say the Kremlin uses the law to target critics, with some at risk of jail. American-Russian journalist Alsu Kermashava has been in custody for 8 months for failing to self-register. The Prague-based journalist for VOA sister network Radio Free Europe, Radio Liberty, denies wrongdoing. Kermashava is one of two American journalists Russia is detaining. Evan Gershkovich, a reporter for the Wall Street Journal, was arrested in March 2023. Russian authorities accuse him of espionage, something his family, friends, and colleagues say is simply false. The arrest of Evan and the expulsion of other foreign journalists has been the capstone point of a decades-long process of intimidation of Russian journalists. This is something that Russian journalists have lived with for quite literally the entirety of Putin's time in power. Foreign journalists in Russia are becoming fewer and fewer, and independent Russian journalists have only two options: work underground at great risk, or go into exile, a dark landscape that shows no signs of changing in the near future. For Ricardo Marquina, Marcus Harton, VOA News. And we now talk sports in this newscast. FIFA 2026 World Cup qualifiers. Angola will host Cameroon in Luanda for day 4 of the World Cup qualifiers this Tuesday. Team Cameroon touched down Luanda on Sunday with preparations on the way for tomorrow's clash. Oni Ladonet gives us a preview of this encounter. As the FIFA World Cup qualifiers progress, all eyes turn to the Stadio 11 de Novembro in Luanda, where Cameroon's indomitable spirit will be put to the test against Angola this Tuesday, June 11. The match is not just a game, it's a battle for supremacy in Group D, where Cameroon, currently unbeaten, seeks to solidify their lead, while Angola looks to upset the giants and climb the ranks. Cameroon, with a record of 2 wins and 1 draw, sits comfortably at the top of the group with 7 points. Their performance has been nothing short of impressive, with a goal difference of +6, showcasing the offensive prowess and defensive solidity. Angola, on the other hand, holds a record of 1 win, 2 draws and 5 points, making this match a crucial juncture in their qualifying campaign. The history between these two teams suggests a tight contest. Their last encounter in the African Nations Championship saw Angola edge out a 1-0 victory over Cameroon.
a result that the Cameroonian side has not forgotten. With top scorers like Mabululu for Angola and Vincent Abubakar for Cameroon, the stage is set for a thrilling encounter. As the teams prepare for this crucial clash, the strategies are clear. Cameroon will aim to leverage their attacking strength, while Angola will look to fortify their defense and capitalize on any opportunity to counterattack. With both teams aware of the high stakes, this match promises to be a tactical and intense affair. Angola a un jour plus de repos, ils jouent à domicile, alors ça va être un match complètement différent. J'ai vu beaucoup des images. Ils ont un très bon attaquant. Angola had one day to rest, and they are playing at home. It will be a different match. I have seen so many videos of them. They have a great attacker who scores easily. So much speed in that team. Not too much circulation, but there's quality. We have to adapt to this. They are a team that has a great midfield. We will see what tactics we will set to win the game. The question on everyone's mind is whether Cameroon will continue their unbeaten streak or if Angola will rise to the occasion and shake up the group standings. As the countdown to the kickoff begins, fans from both nations hold their breath in anticipation of what is said to be a memorable night in Luanda. Et le match Angola-Cameroun, c'est demain 11 juin 2024 à 20h, heure du Cameroun. Ce lundi déjà, veille de match, Landry Ossa a tendu son micro à quelques Douala pour avoir leur pronostic. Je vous propose de les écouter. Pic de match de demain, certainement avec la bonne équipe du Cameroun. De samedi, le Cameroun 3, l'Angola 1. Donc le score, ils vont ramener... Ils vont remporter cette partie par 2-1 parce que sans cela, pas facile en Angola. Merci. Le signe du match de demain, c'est le score 2-1 en faveur du Cameroun. Et je voulais aussi parler du fond du jeu du Cameroun parce que, à ma vision, j'ai constaté que le vice-capitaine au nom de Zambo Anguissa, il rentre considérablement avec les ballons. Pourtant, c'est lui le meneur du jeu du Cameroun. C'est un très bon jeu. Mais si il essayait d'aller en avant avec le ballon, nous, on devait faire beaucoup de choses. Il faudrait qu'il essaie d'améliorer son fond du jeu et il va voir les bons fruits. Que si les Lions déroulent comme ils l'ont fait samedi, c'est qu'on pourra gagner même pas 3-0. Hein. Parce qu'ils nous ont montré un nouveau système où on n'a jamais vu il y a très longtemps. Vous êtes satisfait par rapport à leur prestation ? Très, très, très satisfait, oui. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les Lions gagner à plus d'un but ou trop, 2-1. Donc, vraiment, on est satisfait. Et je pense que si ça continue comme ça, on va donner au moins 3-0. On va donner au moins 3-0. Ouais. Rendez-vous demain donc à 20h. Dans une interview exclusive accordée à la chaîne de télévision française France 24, Samuel Etofis laisse penser que la majorité de ses problèmes, des problèmes qu'il rencontre, sont du fait qu'on lui prête des intentions de devenir chef de l'État. Si les critiques du président de la FECAFOOT se retrouvent partout, force est de constater que beaucoup sont des acteurs politiques. Morceau choisi avec vous, Léla Reine-Ganze. La majorité des problèmes que je rencontre, c'est parce qu'on me prête des intentions de devenir chef d'État au Cameroun. Je ne vais pas dire qu'on se trompe, parce que je n'ai jamais eu une idée, ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Donc, je ne peux pas faire de commentaires à ce sujet. Il est vrai que je suis allée accompagner mon aîné Georges Weah le jour de l'investiture. C'était beau de voir un footballeur se reconvertir en politique, mais jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas encore entré en politique. Samuel Etofis, président de la Fédération Camerounaise de Football, légende du monde du football et des Lions Indomptables, dans un entretien exclusif accordé à France 24, fin février 2024. En effet, entre annonce d'ouverture d'une enquête par la Confédération Africaine de Football, soupçon de trucage de matchs, alliance avec une société de paris sportifs, Samuel Etofis ne cesse de défrayer la chronique depuis sa prise de fonction à la FECAFOOT en décembre 2021 et, sur les plateaux télé, les politiques s'en donnent à cœur joie.
fait particulier les critiques de la légende des Lions Indomptables, notamment de sa gestion de la FECA Foot, se recrute aussi bien dans l'opposition que au sein du RDPC, le parti au pouvoir dirigé par Paul Biya, chef de l'État, dont il a soutenu la candidature en 2018. Ce monsieur ne s'est pas aidé lui-même. L'icône ne s'est pas aidée elle-même. Les exemples que vous avez pris ailleurs, Maradona, c'était sa vie privée. Lui aussi, il a une vie privée qui a été très agitée. Vous ne m'avez pas entendu évoquer cela ici. Maradona n'a jamais prétendu à ce à quoi lui, il prétend. Je vous dis, au sein de la famille footballistique... À quoi est-ce qu'il prétend? Il n'a pas le droit d'avoir des aspirations et puis Maradona, à quoi est-ce qu'il prétend? Non, je veux dire... Maradona n'a jamais été président de fédération. Il a le droit d'être... Quand on est une icône, il y a des contraintes. Tout comme quand on est un homme public, qu'on a choisi d'être sous ses sunlight, il y a des contraintes qui sont liées. À partir de sa famille footballistique, est-ce que avant que nous n'arrivions à cette situation, c'était le meilleur des mondes dans le milieu footballistique? Non. Il y a des problèmes. Et pourquoi ces problèmes-là naissent aujourd'hui? Et pourquoi seulement avec lui? Pourquoi c'est le seul qui est capable de, c'est-à-dire au moindre truc, donner un coup de poing? Il ne sait pas aider lui-même. Okay. Et quoi que vous fassiez, quand la personne elle-même ne s'aide pas, vous pouvez tout lui donner, vous ne lui apporterez rien. Nous, c'est-à-dire nous les politiques, nous qui aimons ce pays, c'est d'abord, le premier problème, c'est le rassemblement. Il faudrait qu'il y ait un rassemblement à la FECA Foot. Mais Samuel Eto'o fait la politique de l'exclusion. C'est ça le problème. On a trouvé le général Semenge à la Ligue. Il a mis tout le monde dehors. Vous êtes dans la politique de l'exclusion. Chaque jour, on entend les radiations. Tel a été radié. Guiba a été radié. Maître Mbassi a été radié. Tel a été radié. Non seulement qu'il y a les radiations, mais l'équipe... Tu préfères le laisser aller alors quand les gens commettent des fautes... Allez-y. Non seulement il y a cette politique de l'exclusion, mais il y a également, j'allais dire, des rendements décroissants au niveau de l'équipe nationale qui ne gagne pas. Le président de la FECA Foot est le problème du football camerounais depuis 20 ans. Tout le monde le sait dans ce pays. Ce n'était pas Eto'o qui était président de la FECA Foot. Le problème du football camerounais, c'est il a un nom, Samuel Eto'o. C'est un petit frère pour qui j'ai un profond respect. Je l'ai pratiquement vu grandir, je le connais bien. C'est un joueur exceptionnel, il nous a fait rêver. Mais mettez ça de côté, même quand il était joueur, il rendait la vie impossible dans le groupe. Monsieur Samuel Eto'o ne sait pas ce qu'on appelle un groupe. Il est devenu président, c'est plus grave. On ne peut pas construire le football dans un pays sur le principe qu'on va célébrer quelqu'un, le culte de la personnalité. Vous avez déjà vu ça, vous? Pourquoi vous tournez autour du pot? C'est ça le problème. Où est-ce qu'on a vu un banc de touche avoir les talkie-walkies? C'est une armée. Ce sont des militaires pour avoir le talkie-walkie au banc de touche. Pourquoi? Pour beaucoup, la stature de l'homme ferait peur à certains caciques du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, engagés dans une guerre de succession, l'après Paul Biya. En face, des analystes pensent que c'est sous soutien de Samuel Eto'o fils à Paul Biya en 2018 qui lui vaut ses critiques de certains opposants. 2025 dans quelques jours, ces récents ennuis avec le gouvernement, notamment le ministre des Sports et de l'Éducation physique, peuvent-ils être un catalyseur pour son entrée définitive et officielle en politique? La question est sur beaucoup de lèvres. Interrogé cependant au cours de la même interview sur un probable soutien à Paul Biya en 2025, Samuel Eto'o répond, je cite, « L'élection approche, laissez-la arriver et je me prononcerai. Mais vous savez que jusqu'à preuve du contraire, j'ai toujours accompagné le président Paul Biya. » Fin de citation. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée à vous, Christelle Assel. Good night to you, Orion Duncan. Good night to our viewers. Thanks for watching. Enjoy the rest of your evening in company of very interesting programs on Spectrum Television. Good night.